Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour les Belgian Air Force Days. Et je suis en compagnie de Benoît et d'Adrien. Et on va pouvoir profiter un peu de ce boucan et de ces magnifiques plans d'avion. Là, c'est le même moment parce qu'on a un qui arrive. Ouais, je sais même pas si on va nous entendre en fait parce que c'est le bordel. Ça va vraiment beaucoup trop fort. Attends. C'est un peu chaud à cadrer. C'est vraiment chaud à cadrer pour le coup. C'est énorme. C'est vraiment grand. C'est quand même fat une fois que tu le vois en vent. C'est immense, c'est vraiment immense. Et le plus ouf, c'est de se dire que ce machin est propulsé à je sais pas combien de milliers de kilomètres heure. Ah mec, j'avais celle-là. J'avais la troisième. Oh putain, mec, j'avais cette navette, exactement ce modèle-là. C'est 100% validé. Ouais, franchement. Là t'as tout l'armement du coup, t'as la grosse bebon. Pour moi ouais, ça c'est les réservoirs. Parce que ça a pas une tête de bombe du tout, pour moi c'est les réservoirs. Ouais. Ça c'est des bombes, celle-là mec, elle est immense. Je me demande comment ça peut porter tout ça. Et t'as vu la Gatling qui est derrière? Celui-ci il est là aujourd'hui, c'est le F-35. C'est les Italiens qui l'ont amené. Merci. Sens de la vie. C'est gênant, je me sens trop observé. Moi, je veux que ça tienne. Oh, bonjour, on fait un vlog. Le GH4 Scutopus. T'as un nom FSB? Non, FSB. Non, par contre. Non, Benoît. Toi, t'es pas responsable déjà. Oui, responsable. C'est clair. Moi, j'ai pas responsable. Bah oui. T'as failli faire tomber la caméra. T'as failli tomber la caméra. Quoi?
plus. Et moi, c'était bleu partout. J'étais là, ouah, c'est quoi, c'est bizarre. J'ai essayé de le prendre en photo, mais il y avait le cache. Tu es un bon photographe, Adrien. Ouais, non, mais en plus, j'étais là, ouah, j'ai fait quoi comme réglage, pourquoi c'est tout noir et tout. Et puis après, je vois le cache. La vie est nulle, attendez. Tu es nul. Voilà venu le moment le plus intéressant de la journée. Bon, qu'est-ce que tu penses actuellement de ce que tu vois? Bah écoute, c'est pas trop ouf, je suis un peu déçu pour l'instant. Les avions font pas de bruit, ça va pas vite. C'est moche, voilà, c'est simplement extrêmement moche. Je passe une journée de merde, voilà. J'adore ma vie. Franchement, y'a pas assez de budget. Putain. Je m'étouffe dans mon sarcasme. C'est complètement dingue ce qui se passe. Bah les avions ils volent. Merci Benoît pour cette information très intéressante et pertinente. Friture. Avec deux U ça me fait trop rire. Ça fait vraiment le mec qui insiste quoi. Friture. Cet objectif quoi. Il est immense. Bah, le problème quand tu vois ça et qu'après tu regardes la caméra, c'est que t'as l'impression que j'ai un micro pénis, donc moi je complexe. Tu te sens nul. Regarde tous ces gens avec leur smartphone. Ah oui, j'avoue. Ouais. Merci. Ouais. Team casquette orange. Faut cacher ça. Faut juste passer du Tipex dessus et c'est tout. Se faire remarquer, c'est la meilleure manière du monde. À fond. Faut pas aller louper. Allez. Du coup, j'ai celle d'il y a 2 ans et j'ai celle-ci en plus. Chaque 2 ans, je prendrai une casquette Rafale parce qu'elle est gratuite de toute façon. En même temps, j'ai envie de te dire, tu vends des avions. Le prix des casquettes, ça peut être vraiment un problème. C'est genre 1/10 millième du pourcentage du prix de ton avion, quoi. Non mais Tessa, tu apprends pas en gris, quoi. Ouais, on est d'accord. Je trouve que prendre une Tessa en gris, c'est un peu dommage. Oui, parce que mon parrain. Ok, donc en gros, on parlait de Tesla parce que mon parrain a acheté une Tesla, enfin a commandé une Tesla Model S grise. Tada. Oh. Donc mon parrain a commandé une Tesla Model S P75D en gris. Et on discutait du fait que une Tesla. Oui, pardon monsieur, pardon. Mais du coup une 75D et la fait en gris clair. Et on trouvait que c'était bête d'acheter une Tesla en gris clair. Voilà. Si vous en avez quelque chose à foutre. Joli en rose. Oui, si vous en avez quelque chose à foutre, les commentaires, bah, ça m'étonnerait quand même, parce que c'est un débat un peu débile et qui a un peu rien à voir avec ça. Mais c'est un débat important. Non, la Tesla, comme toute belle voiture, c'est en noir mat. Allez, on vlog. Si, si. Ouais, moi je vlog du bas comme ça. Mec, à travers le pantalon, c'est genre le boule. Ce cadrage. Yes. Alors, ça n'est pas du tout 2 fois qu'on fait le bilan, hein, mais... Voilà, exactement. Ah non, je me casse.
Quel rageux. Bon, du coup, bilan, c'était très chouette. C'était un très bon moment. Très, 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 très bien. Très familial. À faire au moins une fois dans sa vie. Exactement. On a... plus d'oreilles. Oui. Absolument plus d'oreilles parce que ça fait extrêmement beaucoup de bruit. Mais c'est cool au début, mais à la fin, ça fait un peu... ça fait peut-être un peu trop. Vraiment impressionnant. C'est rapide, c'est gros, c'est massif. Il ça parle de ma bite. En plus, c'est quand j'ai dit le mot massif, je me suis dit, quelqu'un va faire cette blague. Bon bah voilà, et du coup là, on attend comme des cons pour rentrer dans le V22 Osprey, qui est juste là. Voilà. Du moins, il y a pour nous, moi. Ouais, mais c'est trop de balle. Ça, je retiens un peu. Le SU-27. SU-27. Je retiens le nom parce que putain, il était très 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 lourd. Mec, essaye de la tourner. Prends la Gatling. Mais là, t'es dans le vide, là, t'es dans le vide. C'est pas grave. Non. Mec, ici, on peut se mettre en air vision. On peut voir grand chose avec ça. Il doit bien faire ça. Comment on s'attache à ce truc? Mais ça sert à rien. Genre... je comprends. Tu vas la mettre parce que tu l'enlever après, t'as mis. Ouais, non. T'es bien après, c'est plus l'enlever. Benoît. Donc le mec m'a expliqué que ce V22 il vient d'Angleterre, leur base est en Angleterre et du coup ils ont pas traversé l'océan pour venir, tu vois, juste traverser la Manche, ce qui est faisable. Quand on est de la Seconde Guerre mondiale, c'est un peu le délire. Et comme ben voilà, je pense que pas mal de monde le sait, les États-Unis ont des bases un peu partout dans le monde et notamment en Angleterre et voilà, du coup ils ont des V22 en Angleterre et celui-là vient de là-bas. C'est assez fat quand même hein, comme truc. Une fois que t'es dedans, ça a pas l'air aussi large qu'à l'extérieur, forcément. Il y a moyen de caser deux voitures dedans. En tout cas, les quads d'office. Facile, ouais. Les quads d'office. Tu mets quelques mecs, un quad et... oh, c'est 130. Bon, là on est sorti et du coup on va aller voir la Kia Stinger qui était devant laquelle on est passé. Et voilà, la Kia Stinger elle est juste là. Elle est vraiment classe. Ouais, elle est bien, c'est une bonne bagnole, c'est un bon saloon parce qu'elle a de la puissance. Là, c'est la all-wheel drive qu'il avait, mais il me semble qu'elle est aussi en rear-wheel drive, pas propulsion. Et du coup, ouais, c'est une chouette voiture. Qu'est-ce que vous en pensez au look comme ça? C'est une voiture. Très très bien. Très très bien. C'est pas mon ami. Oh bon, j'ai quand même l'air d'un gitan au final, mais de toute façon, pas autant que lui. Moi? Moi? Là, à quel moment? T'étais assis par terre sur la piste. Je sais pas, mais. Je sais pas, mais il a commencé à gueuler tout seul en mode. J'ai cru entendre enculer, moi. Très belle imitation. C'était incompréhensible, mais on sentait de la haine dans sa voix. Oui. Et ça c'est de la merde. Ça, c'est de la merde. T'as déjà conduit une Dacia? Tu as une Dacia. Merci d'avoir proposé que je vienne avec toi, c'était génial. Pas de souci. À la prochaine. Benoît, il est fatigué. Bon, merci beaucoup. À une prochaine fois. À une prochaine.
t'as un PD. Bon, eh bien, ça y est, c'est une fin de journée, donc je suis crevé, comme ça peut... comme voilà, je ne sais plus parler. Donc je suis fatigué, comme vous pouvez le constater, je vais pas m'éterniser. Si ça vous a plu, pouce bleu, commentaire, comme d'habitude, dites-moi un peu ce qui était cool, pas cool. Et moi, je vous dis à la prochaine, abonnez-vous, qu'est-ce qui se ciao. Cette casquette qui est extrêmement classe. J'ai mal au bras, c'est lourd.